mystère de la translation. Ce que le frère Balaam a dit dans le secret de l'Éthi. Amen. La fois dernière, on parlait de subit, le subit de la visitation des capitaines araniens. Je pense que aujourd'hui. Donc, comme j'avais dit que le sixième but de Gabriel à Daniel, c'était de poindre le Saint des Saints. Amen. Amen. Et poindre le Saint des Saints, nous avons vu que le frère Banan avait relié ça avec Ézéchiel 43. Or, Ézéchiel 43, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ézéchiel 43? C'était que la gloire de l'Éternel avait rempli les temples. Ok? Je vais prendre Ézéchiel 43 rapidement. La Bible dit, il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient, et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ses visions étaient semblables à celles que j'avais eues auprès du fleuve Kéba. Et j'ai tombé sur ma face. Amen. Amen. Et là, on avait montré que quand le sixième but de la visitation de Gabriel à Daniel s'accomplit, cela veut dire que le mystère de la translation doit déjà avoir lieu. Or, la translation avait dit que c'est pareil que l'enlèvement. Amen. Cela devait avoir lieu dans le quatrième saut. Or, nous voyons déjà que Daniel, le but de la visitation, le circuit de la visitation de Gabriel à Daniel, il s'agissait bel et bien de la descente de la nuée. Le frère Balaam dit aussi que c'était 2 Chroniques chapitre 5. Et 2 Chroniques chapitre 5, c'est aussi la nuée qui est descendue dans les temples. Amen. Or, si nous voyons déjà la descente de la nuée, ça veut dire que toutes ces promesses-là, c'est déjà du passé. Amen. Et le quatrième but, c'était amener la justice éternelle. Amener la justice éternelle. Il dit, c'est là où Satan est lié. Il prend Habakkuk 2,14. Il dit, quand la connaissance augmentera, quand les enfants de Dieu seront remplis de la connaissance, et que la connaissance remplira les enfants de Dieu comme les eaux remplissent les sables de la mer. Il dit, en ce moment-là, Satan lié, sera lié. Il dit, les frères seront des gentlemen et les sœurs seront des sœurs. Amen. Et le troisième but, c'était. Le troisième but, c'était sceller la vision et la prophétie. Or, sceller la vision et la prophétie, frère Balaam prend Daniel chapitre 12. Or, Daniel chapitre 12, c'est Michaël qui combat contre l'Antichrist. Or, quand Michaël combat, frère Balaam dit que c'était l'Armageddon. C'était l'Antichrist. Dans le sixième saut, il dit que voici l'Antichrist qui venait avec des méthodistes, des baptistes, des catholiques. Il dit, voici Christ qui descend avec ses saints. Amen. Amen. Donc quand vous voyez la nuée qui descend, c'est la fin de la bataille. Il vient pour mettre fin à cette bataille. Et nous avons vu que tous ces buts ont déjà été accomplis. Et tous les six buts s'accomplissent dans un seul but. C'est le sixième but qui accomplit tous les buts. Amen. Amen. Et le frère Branham dit que quand tout ceci est en train de se passer, les causes étaient déjà enlevées. Or ici nous parlons, nous avons pris Jean chapitre 4. Dans Jean chapitre 4, la Bible dit, après cela, j'ai vu le trône. Frère Balaam dit que Jean était monté au ciel. Il dit, après cela, vous voulez dire, après les âges de l'Église. On avait vu la photo du trône ici, là. Que Jean, en montant au ciel, il avait vu le trône. Et sur le trône, il a vu les quatre êtres vivants. Amen. Amen. Et ces quatre êtres vivants, c'était bel et bien les êtres vivants qui étaient dans les âges de l'Église. C'est maintenant ces êtres vivants-là étaient maintenant au ciel.
Amen. Cela veut dire simplement qu'ils avaient quitté les âges de Christ. C'était la fin de la bataille. Parce que ces quatre êtres vivants étaient la force que Dieu utilisait pour combattre les chevaux. Amen. Et quand nous voyons la fin et que les quatre êtres vivants sont maintenant au ciel, c'est la fin simplement dire que c'est la fin des âges de l'Église. Or, quand Jean monte au ciel, qu'est-ce qu'il voit? Jean ne voit pas une table avec la nourriture, Jean ne voit pas les rôtis, Jean ne voit pas les carottes, mais Jean voit les trônes. Qu'est-ce qu'il voit dans le trône? Il voit les 24 anciens. Et le frère Barabbas dit que les 24 anciens, ce sont les 10 et les 12 disciples et les 12 patriarches. Amen. Nous voyons déjà que les Juifs étaient déjà là, sur le trône. Dans l'Apocalypse, ça fait les 4. Et il dit aussi que, il dit devant le trône brûlent 5 lampes. Or, ces 7 lampes-là, ce n'est rien d'autre que les 7 âges de l'Église. Amen. C'est au ciel qu'il voit les 7 lampes. Il dit qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 lampes étaient déjà au ciel, les chandeliers étaient déjà au ciel, c'est là qu'il le voit. Il voit les 24 veillards, ou bien les 24 anciens, qui étaient. Ça doit être éloigné de lui. Merci. Merci. Dans les 24 anciens, j'avais dit que c'était les 12 disciples et les 12 patriarches. Et quand Jean monte, qu'est-ce qu'il voit encore? Il voit un homme qui était sur le trône. Amen. Et il dit que, le frère nous dit que c'était la vision d'Ézéchiel. Et le frère nous a parlé de cette photo. Il nous dit que c'était la photo du trône. Fabian dit que si vous regardez, vous allez voir les êtres vivants qui entouraient le trône. Or, le Fabian dit, nous allons le lire après, le Fabian dit que le premier trône était au ciel, le deuxième trône était en Jésus, et le troisième trône était dans l'homme. Or, quand on parle de trône, le trône n'a jamais été une chaise. Le trône, c'est toujours un homme. Amen. Voilà pourquoi vous voyez la photo du trône. Et cette photo-là, le frère Barnabé dit que c'est Apocalypse chapitre 4. Or, dans le principe de Dieu, Dieu ne montre jamais quelque chose avant son accomplissement. C'est même la définition de la révélation d'Apocalypse. Frère Barnabé dit Apocalypse, ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu qui construit sa statue? Et dès qu'il finit, il va prendre le voile, il va mettre sur la statue. Et le jour de l'inauguration, il va arriver le voir pour montrer ce qui a été fait. Amen. Amen. Alors ici, nous voyons déjà la photo. Frère Manam dit que l'œil mécanique ne peut pas prendre la psychologie. Ok? L'œil mécanique ne peut pas prendre la psychologie. Alors, cette photo-là était bel et bien prise. Frère Manam dit que c'était les appareils photo qui avaient pris cette photo. Il dit là, il était entouré des êtres vivants. Et cette photo, c'était Apocalypse chapitre 4. Donc, quand nous arrivons à Apocalypse chapitre 4, cela veut dire simplement que nous avons déjà dépassé les âges de l'Église. Amen. Amen. Je vais prendre une citation dans l'enlèvement. Le frère dit ceci. Il dit, nous voyons ici que Noé était le septième depuis Noé. Ce qui était un type des âges de l'Église. Amen. Amen. Enoch était le septième. Enoch fut enlevé. Enoch n'était pas le type des six âges. Il était le type du septième âge. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Il dit, les six autres hommes qui étaient avant lui moururent. Mais Enoch fut enlevé. Montrant que c'est le septième âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Ok. Maintenant, il n'y a aucun doute que nous sommes dans le septième âge de l'Église. Nous savons tout cela. Il dit, c'est le septième âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Tous les six autres moururent, mais Enoch fut enlevé car il ne fut plus trouvé. Dieu l'avait pris. Tous les autres moururent, mais l'enlèvement d'Enoch fut un type de l'épouse du dernier jour qui sera quoi? Appelé hors du septième âge de l'Église. Amen. Amen. Donc, l'enlèvement d'Enoch était le type de l'épouse
village qui sera appelé hors de la Odyssée. Or, nous avons déjà vu que le frère Branham nous a dit que si je vous amène un message pentecôtiste, je serai dans la Odyssée. Il dit que ça ne serait pas correct. Bon, nous voyons déjà que le frère Branham était déjà sorti de la Odyssée. Et le frère Branham, en sortant de la Odyssée, lui-même aussi appelait les gens à sortir. Et le frère Branham, il dit que c'était la lecture. Je vais diminuer le peu. Voilà. Le frère Branham dit que c'était l'éthique de l'épouse qui devait être appelée hors des âges. On nous remarque que c'est les six autres hommes et les six autres âges qui moururent. Amen. Le septième âge, il ne meurt pas. C'est les six âges qui meurent. Tout celui qui est dans le septième âge ne meurt pas, il va vivre dans l'enlèvement. Alors, nous voyons déjà les gens dans l'Odyssée qui meurent tous les jours. Alors, si ils doivent être enlevés comme les gens s'attendent, ça ne sera plus le septième âge. Parce que le septième âge, les gens vont vivre dans l'enlèvement. C'est là que simplement dit qu'Enoch était le type et le septième âge n'est plus dans l'enlèvement. Le septième âge n'est plus dans l'enlèvement sans passer par là. Il dit, nous rendons maintenant témoignage de cet âge, oh là là, créons maintenant plus profondément, voyez-vous. Dans la pêche, le frère Branham dit ceci. Et Jean dans l'esprit, il est là dans le ciel. Il vient d'être ravi. Là, après les âges de l'église, vous voyez, il avait vu les âges de l'église. J'avais dit qu'avant que Jean puisse voir les sept âges de l'église, il devait d'abord monter. Parce que si il est dans l'âge de l'église, derrière lui, il ne verra que six âges. Alors Jean, quand il tourne, il dit, j'étais en train de partir, et j'ai entendu une voix qui m'appelait. Et quand j'ai tourné pour voir la voix, j'ai vu le chandelier. Or, avant de voir les anges de Christ, il voit d'abord, il devait d'abord monter. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 1 égale Apocalypse chapitre 10. Amen. Amen. Enfin, que l'ange puissant d'Apocalypse 1, c'est le même d'Apocalypse chapitre 10. Et le Fabien dit que quand il va tout droit aux Juifs. Quand Jean est monté, il voit les sept anges de l'Église. Le Fabien dit, vous voyez, il avait vu les anges de l'Église. Ensuite, il a été ravi au chapitre 4. Il a dit, monte plus haut. Je vais te montrer les choses qui vont arriver. Il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône avec le livre dans sa main droite française. Et puis, dans ce livre, il y avait un titre de propriété pour la rédemption. Et il était scellé de cette sceau. Amen. Or, le titre et le livre scellé de cette sceau, c'est ça le titre de propriété. C'est la chose que Adam avait perdue. Or, Jean ne pouvait rien voir. Il ne pouvait pas voir le sceau s'il n'était pas encore enlevé. Amen. Amen. La raison de l'enlèvement de Jean, c'était pour voir les sept sceaux. Alors, vous allez remarquer que quand Jean monte, il va d'abord le trône. Après chapitre 4, on décrit le trône. Et chapitre 5, on montre maintenant les scénarios. Amen. C'est là où on parle de la personne qui était assise sur le trône. Il appelle qui est digne de recevoir le livre. Tout ça, c'est au ciel. Amen. C'est au ciel que ça se passe. Qui est digne de recevoir le livre? Il n'y avait personne. Et le lieu de la tribu de l'ancien dit, ne pleure pas, car le lieu de la tribu de Judas a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette chose. Et quand il s'est levé pour partir prendre le livre, Jean tourne comme ça, il voit l'agneau. Amen. Amen. L'ancien dit le lion, mais Jean voit l'agneau. Amen. Et il n'y avait aucune discussion entre l'ancien et Jean. Jean n'a pas dit non, non, tu m'as menti. C'était l'agneau dont tu m'as parlé du lion. Amen. L'agneau et le lion, c'était pareil. Quel agneau? Il voit un agneau comme immolé. L'agneau n'était pas immolé, il était comme immolé. Pourquoi il était comme immolé? Parce qu'il avait le sang, mais il n'était pas blessé. Amen. Il avait le sang sur lui, mais il n'était pas blessé. Parce que les blessures provenaient de l'agneau de Golgotha. Le sang, pardon, provenait de l'agneau de Golgotha. Cet agneau de Golgotha, qui a été meurtrié là-bas, qui a été crucifié, il prend son sang, il met dans l'agneau. À cette corde. Amen. Amen. Parce que l'agneau à cette corde, Papa Ramdiké, les sept cornes de l'agneau, il dit les cornes,
c'est une défense de l'animal. L'animal se défend avec ses cornes. Il dit, quand on parle de l'agneau à cette corne, il dit, les sept cornes de l'agneau, ce sont les sept messagers. Or, le frère Branham, quand il vient, il dit que j'ai pris tout ce que les messagers ont laissé en suspense. Amen. Amen. Et la couleur de l'Odyssée, c'est la couleur ultraviolet. Et l'ultraviolet, c'est le mélange de toutes les couleurs. Donc il prend tout ce que les messagers ont compris. Et il prend ça sur lui. Il devient lui-même un agneau à cette corne. Amen. Amen. Mais le sang ne provenait pas de lui. Souvenez-vous de nos autres achetés. À qui on avait versé le sang? Le sang du premier oiseau. On a versé à l'oiseau femelle. Et l'oiseau femelle a fait l'expiation dans le monde entier. Amen. Et le même scénario se passe ici au ciel. Apocalypse chapitre 7, nous voyons un agneau comme immolé avec le sang du premier agneau qui vient. Mais pour être un agneau, il ne devait pas être un agneau, il devait être un lion. Amen. Amen. Donc c'est le lion incarné dans l'agneau. Amen. C'était le lion qui est Christ incarné dans l'agneau qui était le frère Branham. Parce que chaque enfant de Dieu est une brebis. Le frère Branham dit que Jésus est le souverain berger. C'est lui qui est le berger. Et nous sommes des agneaux. Amen. Et le frère Branham était un des agneaux. Était une de brebis. C'est là qu'il montre maintenant, il prend le livre et les sceaux ont été brisés. Tout ça se passe au ciel. Après le chapitre 5, on le montre le scénario, il prend le livre. Et au chapitre 6, il commence à briser les sceaux. Or, les sceaux sont brisés au ciel. Amen. Amen. Les sceaux sont brisés au ciel. Parce qu'au chapitre 10 de l'Apocalypse, quand l'âge poussait des sangs, il descend avec un livre déjà ouvert. Et au chapitre 7, on nous relève maintenant l'histoire de ce qui se passe sur la terre. Les scellements des 144 000. Amen. Amen. C'est pourquoi le frère Branham dit que durant les sceaux, les trompettes, il dit les sceaux, les trompettes, ça se passe au moment de la grande tribulation. Or, la grande tribulation, c'est le 3 ans et demi. Amen. Amen. Et le frère Branham, avant de prêcher les sceaux, il nous prêche d'abord la brèche entre les âges de l'Église et les sept sceaux. Amen. Donc, quand il commençait le premier sceau, c'est déjà la fin. Il devait d'abord finir avec les sages de l'Église. Nous parlons d'Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 5, et il va dans 70 semaines de Daniel. Et après, c'est l'ouverture du sceau. Mais avant de prêcher, il parle d'abord d'une brèche entre les sept âges de l'Église et les sept sceaux. Là, nous voyons déjà que les sceaux ne sont pas ouverts dans les âges de l'Église. Rien que le livre de ceux que nous avons en main nous montre déjà que nous ne sommes pas dans l'âge de l'Église. Amen. 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 Et dans la question-réponse, on posait la question au frère Branham. Il dit, frère Branham, est-ce que l'âge de l'Odyssée a pris 64? Il dit, non. Pas encore. Pourquoi il dit que, parce que l'âge de l'Odyssée prendra fin dans l'enlèvement. Et le même frère Branham nous dit que ce livre n'est pas ouvert dans les âges de l'Église. Or, nous avons déjà le livre qui est ouvert. Amen. Amen. Donc, Jean devait monter. Et Jean, c'est le type de l'épouse. Oui. Amen. Amen. Et tout, il faut maintenant dire que l'épouse entière a été représentée par une seule personne. Amen. Révélation chapitre 4. Ainsi dit le prophète. Amen. Il dit ceci. Je prends la parole, mais je dis, il sait, Dieu. I can't talk to you down there no more. Because I've left down here. I've come up higher. Il dit, Jean, je ne peux plus te parler là dans les âges de l'Église. Parce que la voix était plus dans les âges. Il dit, Jean, je ne peux plus te parler là dans les âges de l'Église. Il dit, monte. Ça, c'est au chapitre 4. Il dit, come up here with me. Amen. Until I show you what's going to take place hereafter. Oh my. Caught up in the vision, caught up into glory. Yes. Jean devait d'abord monter pour que la voix commence à lui parler. Et qu'est-ce que la voix lui a dit? La voix lui a montré le trône et la voix lui a révélé les tonnerres. Après chapitre 4, deuxième partie. 37. Il dit, now we found that after. Il dit, after these things. After means
that after the church ages has ceased. Amen. Il dit après cela veut dire que après que les âges de l'église ont pris fin. Amen. C'est pourquoi le Père nous dit que c'est un mystère. Parmi tous les mystères qui devaient être révélés dans le vêtu du sceau, il y avait aussi le mystère de la transformation. Parce que si on dit c'est vrai, nous ne mourrons pas tous. Tous nous allons changer. Tous nous serons changés. Alors, si nous les prenons simplement comme ça, il n'y a pas de mystère. Oh, Paul vous avait dit, voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Et pourtant, la même Bible nous dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Oh, la Bible ne peut jamais contredire la Bible. Si nous avons un livre qui s'est contredit, nous sommes des malheureux. Amen. Alors, nous devons maintenant réconcilier les Écritures. Voilà pourquoi Paul avait d'abord dit que la chair et le sang n'hériteront jamais. Amen. 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 C'est une question de semence. Si vous prenez la semence, un grain de maïs et que vous le plantez à terre, ce grain doit mourir. C'est le corps grain qui meurt. Mais le grain en foi qui est la semence ne mourra pas. Malgré que vous le mettez sous la terre. Amen. Les germes de la vie ne mourront jamais. Ça va reproduire exactement le même corps. Amen. Dans un grain de maïs, il y a plusieurs grains. Comme dit le vrai bonhomme. Vous plantez un grain, ça vous produit deux. Vous plantez deux, ça vous produit plusieurs. Ainsi de suite, jusqu'à ce que vous aurez des cargaisons de grains. Or, ce qui est important dans l'homme, ce n'est pas la chair. Yes. D'ailleurs, le Père nous a dit que cette chair est venue par le désir de Ève et du serpent. Mm-hmm. Pour commencer. C'est le péché pour commencer. Quand on parle de péché, ce n'est pas manger, ce n'est pas fumer, ce n'est pas boire. Le péché, c'est d'abord ses corps. Amen. Amen. C'est ce que Paul a dit. À chaque fois que je veux faire le bien, ses corps m'attirent vers le mal. Le véritable ennemi, c'est ce monsieur. Comme un oiseau échappant d'une prison, je m'envolerai. Alléluia, when I die, I fly away. Ça, c'est le fameux homme qui chantait comme ça. Amen. Et beaucoup d'églises du message aujourd'hui, ils changent les cantiques. Amen. Le fameux homme chantait ça comme ça. Si vous cherchez dans le message, vous allez dire que Alléluia, when I die, I fly away. Parce que nous sommes comme des prisonniers. Ouais. Amen. C'est pourquoi vous voyez un homme meurt. Nous pleurons. C'est comme quand vous êtes en prison. Vous êtes dans une prison, vous créez des amitiés en prison. Et une fois, on vient appeler votre ami et dire, non, toi, ta sentence est finie, tu dois sortir. Vous commencez à pleurer. Ah, vraiment. Mais lui, il est mieux. Amen. Lui, il est mieux. Parce qu'il sort de la prison. Et nous sommes tous des prisonniers. Frère, madame dit qu'en venant dans ce corps, nous avons pris la forme la plus basse. C'est ça. Parce que Dieu a créé l'homme à l'image de l'animal. Mmh. Parce que voilà pourquoi nous avons donné le pied des ours et les mains des chimpanzés. Ouais. Parce que l'homme en question, c'est celui qui a été créé à l'image de Dieu. En principe, ce monsieur, c'est pas un homme. L'homme, c'est l'âme. Amen. C'est la semence. Et cette semence-là, c'est la chose que Dieu avait rachetée. Amen. Amen. My. Je continue. 39. Il dit, and we found out that the voice that spoke to him was the voice of a trumpet. Clear distinctly. And it was the same voice that spoke to him here on earth. C'était la même voix qui lui avait parlé sur la terre. Et maintenant la voix avait changé l'endroit. Au lieu de lui parler sur la terre, la voix lui parlait maintenant du ciel. Amen. Amen. As long as he was in the midst of the seven golden candlesticks, he was speaking to or from. Oh, I like that. Speaking from the candlestick, see, he was in the candlestick speaking from them to his church. Then when the church age had ceased, he left the hell and moved up into the heavens. And he called his redeemed up with him. Oh, isn't that beautiful? Oh, just makes my heart jump. Il dit, quand les âges de Christ ont pris fin, il appelle maintenant ses saints. Oh, Dieu
c'est toujours par représentation. Amen. Il fallait qu'un seul Adam puisse tomber pour que nous tous nous puissions nous retrouver dans la chute. Oui. Amen. Amen. Il fallait qu'un seul Jésus puisse être crucifié pour que nous puissions être tous ramenés. Amen. Voilà pourquoi, dans chaque âge, Dieu a pris simplement un messager. Dieu, c'est toujours par représentation. C'est comme l'ambassade du Congo ici. On va prendre un ambassadeur. On ne va pas prendre tous les Congos, on va mettre ici, mais on va le mettre. Amen. Amen. Oh, Dieu n'a pas besoin de nous amener tous là-bas au ciel, en bouteillage. Il voit une seule personne, le frère Branham. Il enlève là-bas, il nous montre les choses. Amen. Et ces choses-là, quand il revient maintenant, nous révéler ces choses-là, ça nous donne la vie éternelle. Amen. C'est comme les lunes qu'on versait sur la tête d'Aaron qui descendait dans sa barbe jusqu'au point de sa robe. À partir de frère Branham, nous avons tous reçu la bénédiction. Amen. Parce que si on devait tous monter, je ne vois pas l'importance de frère Branham. Puisque nous sommes tous allés au ciel, on nous montre les choses au ciel et nous reprenons le frère Branham du pont. Puisque nous étions tous là. Amen. Mais Dieu est ouvert par la représentation. Amen. Il prend un homme, il élève, il prend un agneau parmi les animaux. Amen. Une brebis parmi les brebis. Parce que Jésus, c'est le souverain des gens. Et il amène au ciel, il nous montre les choses. Et quand il redescend, il nous appelle dans une réunion spéciale pour nous donner ce qu'il a vu au ciel. Mais ce qui est dit ici, cela ne concernait pas que les gentils. C'est ce qui concernait l'humanité tout entière. Amen. Parce que le frère nous a dit que le livre serré de cette sorte, c'est le titre de propriété. Toutes les églises prochaines. Amen. Ils disent que c'est le titre de propriété. Comment est-ce que le titre de propriété est revenu et que nous attendons encore les promesses? Parce que le but de la rédaction, c'était de ramener le livre de le titre Amen. De propriété. Amen. C'était ça le titre de la rédaction. Parce que quand Adam avait chuté, le livre a été pris. Le livre est reparti entre les mains de Dieu. Et Dieu a déclenché la rédaction. Après la rédaction, qu'est-ce que Dieu fait? Il revient le livre. Et c'est fini. Ah oui. C'est fini. Maintenant, si il faut que nous allions au ciel, d'abord, quel ciel? Où? Parce que le frère Branham dit que le ciel est sur la terre. Amen. L'enfer aussi est sur la terre. Le ciel, c'est l'équipe du monde. C'est ici. Alors que dans le frère Branham, quand il parle là-bas, il voit déjà de la 6e dimension. Parce que Jésus dit quand il est monté, il a supprimé la 5e dimension. Le paradis est déjà supprimé. Il y avait la 6e dimension. Alors, lorsque les gens devaient être enlevés, ils devaient être enlevés à partir de la terre. Parce que le point de départ de l'enlèvement, c'était la terre. Or, on était déjà dans la 6e dimension. Maintenant, si nous quittons ici, on pourra venir ici sur la terre. Après, nous allons remonter pour repartir dans la 6e dimension. Mais il y a encore de nouveau pour on. Amen. 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 Vous voyez? Or, tout le monde devait retourner ici. Voilà pourquoi le frère Branham dit que la descente de la nuée. Amen. Je ne vais pas la situation. Non, c'est là. Merci. Le frère Branham dit ici, ah, j'ai vu ça. Il dit, et Jésus vient du ciel avec des myriades de ses saints. Et la Bible déclare que les cieux étaient restés vides pendant une demi-heure. Voilà. Donc, la descente du demi-heure, c'est la descente de myriades et de myriades. Ouais. Ça, c'est la nuée. Amen. Oh, quand nous parlons du silence d'une demi-heure, là, nous parlons d'Apocalypse chapitre 10. Or, Apocalypse chapitre 10, c'est ce qui a été accompli sur la montagne du soleil couchant. Amen. Donc, c'est Christ et l'épouse qui étaient descendus dans la nuée. Amen. Or, voilà pourquoi on nous a dit dans le 6e but de la visitation de Gabriel à Daniel, que le 6e but, c'était poindre les saints des saints. Or, l'onction des saints des saints, le temple du millénium, c'était l'épouse. Or, c'est toujours pareil. Représentation. Voilà. Voilà pourquoi sur le trône, on voit un homme, parce que c'est lui qui était le trône de Dieu. Voilà. Quand
voit le trône. Ah, il voit tout ce qui s'est passé là-bas. Finalement, Jean a voulu se procéder devant l'homme. Il dit non, c'est pas possible, c'est toi, le Dieu vivant. Il voulait se procéder. Il dit non, ne le faites pas. Pourquoi est-ce qu'il voulait se procéder? Il dit parce qu'il ne le connaissait pas. Parce que s'il était un juif, il allait le reconnaître. Mais c'était un gentil. Amen. Voilà pourquoi Jean voulait l'adorer. Il ne le fait pas. Je suis un compagnon du service. Amen. Ce n'est pas une fois. Deux fois. Jean voulait encore le faire après. Il dit, malgré que tu m'as dit ça, non, c'est toi. Frère, puisqu'un homme qui vous tourne le dos, qui disait de penser, c'est qui? Il vous tourne le dos, il vous disait, il disait de penser. Il donne les adresses déjà. C'est qui? C'est Christ lui-même. Mais la notion de la divinité, il ne s'agit pas de la chair. Amen. La divinité, il s'agit de la chose qui est à l'intérieur. Frère Branham dit qu'il a lui a donné une résurrection temporaire. Dieu devait ôter Frère Branham du chemin. Amen. Je vais continuer. Après, ça fait 4 trônes. Et Frère Branham dit ici. Je pense que c'est 72. Il dit, après chapitre 4, après le départ de l'église, alors une porte fut ouverte, et nous avons étudié tout cela, et avons découvert que c'était Christ qui était sur, qui était cette porte. Et la même voix qui marchait du milieu de cette chandelle d'or, c'était aussi la même voix qu'il a entendue du ciel, et qui disait, monte ici. Les femmes ont dit que Jean monta. Il dit, cela représentait le départ de l'église de quoi? De l'enlèvement. Ouais. Quand Jean était enlevé, il était simplement dans l'île de Patmos, sur place. Dieu lui a été révélé là sur place. Le frère Branham dit maintenant que l'église va comme Jean. 121. Après chapitre 4, première partie. 121 dit. And notice, John being taken up immediately after the church age was a type of the rapture church. Immediately after the church age is over. This is like the same church age. Then comes the rapture. The church goes up like John did. L'église montera comme Jean. Mais le Jean est monté comment? Est-ce que Jean est monté avec son corps? Il était dans l'île de Patmos. Il était dans l'escorpion. Mais la Bible dit qu'il était monté. Et le frère Madame dit que l'église montera comme Jean. Oui, le frère Madame dit que les gens vont disparaître par-ci, par-là, tout ça. Mais ça, c'est le langage évangélique. Amen. Ouais. Parce que le frère Madame ne peut pas se contenir. Il dit qu'un jour, nous allons partir. Si les gens commencent à disparaître comme ça, ça sera bien secret. Même les pentecôtistes, ils font des films sur ça. Si ça se passe comme ça, Dieu n'enverra pas les frères Madame. Il vient de faire quoi? C'est pourquoi j'ai toujours dit, si un homme peut être racheté en dehors de Jésus, qu'est-ce que Jésus peut lui faire? C'est pourquoi nous disons que l'islam, toutes ces religions-là, c'est du faux. Parce qu'en dehors de Christ, c'est la mort. Christ seul peut donner la vie. Et en dehors de Frère Branham, c'est la mort. Parce que si nous pouvons être enlevés comme les pentecôtistes, nous sommes foutus. Parce que vous prenez un pentecôtiste ici, et vous prenez un point du message ici, vous lui dites, ok, relatez-nous l'enlèvement. Ils vous diront la même chose. Mais toi, tu as pris quel message? Amen. Oh, l'église monte comme Jean. Il dit, John did into the presence of God Almighty. That just brings my soul around. Caught up at the rapture at the church, of the church. This place, the book of Revelation was written. See? At the end of the church age. Le livre de la révélation a été écrit après les âges de l'église. Amen. Maintenant, parlons encore un peu du trône pour passer, avant de passer. Après chapitre 4, le frère Branham parle du trône. Il dit, lorsqu'il vit cela depuis la forme de rien, de cet être vivant qui se tenait devant lui. Ézéchiel dit, depuis ce rien jusqu'en haut, c'était du feu.
Ok. C'est la photo là. Ouais. Il est en train de parler de la photo là. Suivez-le. Il dit ceci. Il y avait une lumière qui les couvrait. Il dit, et tout autour, il y avait de nombreuses couleurs, comme dans un arc-en-ciel. N'est-ce pas vrai? Je voudrais que vous vous rappelez que Dieu existe encore dans les mêmes couleurs. Un feu couleur d'ombre depuis les reins jusqu'en haut. On en a pris des photos avec une caméra ou plutôt avec un appareil photo en couleur. La couleur d'ombre depuis les reins jusqu'en haut et depuis les reins jusqu'en bas. Et tout autour, il y avait plusieurs couleurs comme dans l'arc-en-ciel après la pluie. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit est toujours dans sa puissance. Il est toujours dans son Église dans ces derniers jours. Voilà, il ne s'agit pas de moi. Écoutez, je m'étais simplement là. Mais on a pris cette photo, je voudrais que vous examiniez cela. C'est exactement ce qu'a vu Ézéchiel. Amen. Les mêmes couleurs, la même façon d'agir, rayonnant de la même façon que cet être vivant. Qu'est-ce que cela signifie? Les êtres vivants représentent quoi? L'Église vivante. Là déjà, c'est Apocalypse chapitre 4 dans la photo. Il dit que les êtres vivants représentaient l'Église. Amen. Amen. L'Église vivante, il dit, l'Église qui vit par la puissance de la résurrection de Christ. Ces mêmes couleurs d'ombre les couvraient depuis les reins jusqu'en haut et depuis les reins jusqu'en bas. C'est cette photo-là. C'est cette photo-là. Et la photo-là, c'est ce qu'Ézéchiel avait vu. Ézéchiel chapitre 1. C'est la vision du fleuve Kébar. Il voit les êtres vivants. Enfin, on dit que les êtres vivants représentaient les âges de l'Église. L'Église de Dieu vivant partout. Or, c'est ce que je vous avais dit, que les êtres vivants étaient les sept messagers durant les sept âges de l'Église. Et lorsqu'on les voit là-bas, ils étaient déjà devant le trône. Ok? Le frère Branham continue. Il continue dans 162. On n'a plus besoin de faire des suppositions. La science en a pris des photographies. Regardez leurs couleurs, regardez seulement les couleurs de ces feux. Vous voyez, c'est là qu'on sait de regarder cette couleur entre le jaune et le vert. Bon, cet appareil photo n'était qu'un simple appareil photo d'un photographe et dans lequel il y avait un film de couleur, en couleur, un Kodachrome. Regardez cette couleur émeraude. Là, j'aimerais mettre cette photo sous une bonne lumière afin que ceux du fond puissent la voir. Pouvez-vous voir maintenant comme un arc-en-ciel? Regardez les raies qui vont d'un bout à l'autre. Comme un arc-en-ciel, chacune a une couleur différente. Dans quelques instants, nous allons aborder cela. Quelles sont ces couleurs et qu'est-ce qu'elles représentent? 163. Oh, cela fait sauter des joies mon pauvre cœur. À savoir que dans ces jours dans lesquels nous vivons, Christ, alors que nous autres fondements, tout autre fondement n'est que sable mouvant. Tout autre fondement. Je me disais, pourquoi ne puis-je pas rencontrer cela? Pourquoi ne puis-je pas faire voir cela au monde? Le monde n'est pas censé voir cela. Le monde ne le verra pas. Il ne le verra jamais, mais l'Église est en train de recevoir la puissante secousse qu'elle n'a jamais reçue. Femme dit, pourquoi est-ce que je n'ai pas montré au monde? Il dit, parce que le monde ne le verra jamais. Frère, cette photo-là se trouve dans les églises du message. Et cette photo-là, le Femme dit que c'est Ézéchiel. Il y a les êtres vivants. C'est Apocalypse chapitre 4. Or, Apocalypse chapitre 4 arrive après les âges de l'Église. Si on prend la photo, c'est-à-dire que l'événement a déjà eu lieu. Mais dans les églises du message, nous avons cette photo, on les regarde, mais tu ne vois rien. Mais Dieu, la femme a dit que l'Église verra ça. C'est ce que nous avons vu. Amen. Amen. Et maintenant, la femme a dit ceci.
bien prendre. Le frère Barnabas ici, par 236. Il dit, vous pouvez maintenant voir d'où vient la secousse. Il continue là. Il ne discerne pas les temps dans lesquels nous vivons. Les gens n'en saisissent pas, la signification. Vous comprenez? Bon, le premier trône, c'était où? Dans le ciel. Le trône du jugement. Le second trône était en Christ. Le troisième trône est en l'homme. Frère Branham dit que vous pouvez maintenant voir d'où viendra la secousse. Il ne discerne pas l'état dans lequel nous vivons. Les gens n'en saisissent pas la signification de la photo. Ce n'est pas pour rien que cette photo-là a été prise. Ce n'est pas pour rien que le frère nous a montré cette photo. Il dit, mais les gens ne le verront pas. Mais l'Église verra. Mais quand l'Église verra ça, ça sera une grande secousse. Voilà pourquoi quand nous proclamons ces choses, ça secoue. Amen. Amen. Le frère nous continue. Il dit, eh bien, Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. 239. Eh bien, qu'est-ce qu'un homme? Il dit, c'est un être triple. Le corps, l'âme, l'esprit. Combien savent cela? Considérez la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'est le cœur? Qu'est-ce qu'est le cœur de l'homme? Vous souvenez-vous de mon message? Dieu a choisi le cœur de l'homme comme tour de contrôle. Le diable, lui, a choisi sa tête comme tour de contrôle. Voyez-vous? Vous voyez? Il dit, il lui fait voir des choses. Regardez avec ses yeux, mais cependant Dieu lui fait croire à l'homme dans son cœur. Les choses qu'il ne voit pas, vous comprenez? Vous comprenez? Dieu est dans son cœur. Le trône de Dieu se trouve dans le cœur de l'homme. Vous saisissez? Dieu a établi son trône dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire que quand on parle du trône, ça ne veut pas dire qu'il y a une chaise. Même le jugement du trône blanc, ce n'est pas une chaise. Parce que Paul a dit que les saints jugeront la terre. Amen. Or, quand le juge suprême descend, la Bible dit qu'il sera glorifié où? Dans ses saints. Parce que celui qui descend, c'est le juge suprême. Il vient se garder dans son peuple afin d'exercer le jugement. Oui. Nous avons dit ici que le frère dit que les gens continueront à prêcher. À dire aux gens qui seront sauvés pendant que tout sera déjà terminé. Et qu'est-ce que nous faisons ici? Tout ce que nous apportons ici, ce n'est que le jugement. Parce que quand le juge suprême descend, l'agneau descend, il a déjà la ceinture sous sa poitrine. Il n'est plus sacrificateur. Le juge ne rachète pas. C'est le sacrificateur qui rachète. Il rachète où? Dans les âges de l'Église. Et quand on voit déjà que les âges de l'Église ont pu faire, c'est que le rachat est terminé. Si vous voyez déjà que le livre de la rédemption est derrière les salut, cela veut dire que tous les noms inscrits dans le livre étaient déjà là. Pour dire qu'il ne devait pas, Dieu ne devait pas remettre le livre de la rédemption avant que le dernier élu puisse être racheté. Donc si le livre descend, c'est que le rachat a pris fin. C'est qu'aujourd'hui la dispensation, c'est le jugement. Amen. Amen. Voilà quand il descend, c'est avec une perruque blanche. Amen. Amen. Les yeux comme des flammes de feu. Oui. Les pieds de l'air. Et la voix comme les grands réseaux. Tout est effrayant. Oui. Un homme avec les yeux comme des flammes de feu, c'est effrayant. Amen. La voix comme des grands réseaux, comme c'est effrayant. Les pieds de l'air, c'est effrayant. Frère Madame dit que les reins montrent le jugement. Voilà pourquoi, pardon, d'après chapitre 1, quand Jean le décrit, le frère Branham, quand il parle de la ceinture, le mystère de la gloire de sa personne, le frère Branham, il décrit la voix des grands hommes, il dit que ce sont les voix de sept messagers. Les yeux comme les flammes de feu, il dit que c'est le discernement des pensées. Il peut voir jusqu'au fond. Amen. Donc, tout c'est déjà le jugement. Donc, quand il descend, dans Apocalypse chapitre 10, sur la montagne du soleil couchant, il vient s'incarner comme étant le juge. Et lui, comme la géomagité, il a déjà commencé le jugement. Il dit, j'accuse cette génération. Amen. Pourquoi? D'avoir crucifié Christ pour une seconde fois. Et aujourd'hui, nous accusons les soi-disant pour du message. Parce qu'ils ont crucifié Christ. Ils prennent les pères étrangers pour l'amener dans la ville, frère.
les gens ne peuvent pas croire Branham. Si le frère Branham a dit que l'enlèvement a eu lieu, c'est que ça a eu lieu. Il peut bien dire, oui frère, nous attendons l'enlèvement. Mais nous regardons les plans. Où en sommes-nous? L'animal qui descend, ça ne descend pas avant l'enlèvement. C'est impossible. L'animal, ce n'est pas une venue secrète. Jésus est venu pour nous enlever. Il est venu depuis 1963. Il est toujours là-bas au ciel. Pourquoi nous ne montons pas? Et nous allons monter quand? Depuis 1963, en 2013, ça faisait 50 ans. Et il est toujours là, il attend. Les gens vont monter. Amen. Amen. Et la nouvelle question n'est plus la même. Parce que le même jour-là, quand le frère Branham a fini sa doctrine avec les anges, ils sont partis. Maintenant, je ne sais pas, on parle de quel Jésus. Et on dit que ce Jésus-là, c'était une venue physique. Mais il est où? Alors, il ne savait pas le grand mystère qu'il devait s'incarner dans ce ciel. Amen. Parce que la venue secrète s'est passée à Kentucky. Yes. Lorsque le bébé est né, personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, sous la forme originale, frère. Amen. Parce que la forme de Hoffman, ce n'est pas la forme de Jésus. Non. Parce que le véritable Jésus, c'est la colonne de feu. Amen. Frère Branham dit, c'est ce qu'il était. Quand il a dit, quand Philippe lui a posé la question, montre-le le Père, cela nous suffit. Il dit, Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous. Amen. Vous ne m'avez jamais connu. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Après, il dit que je m'en vais au Père et vous me suivez. Il dit, oh, comment il dit que vous connaissez les chemins? Il dit, oh, comment est-ce que vous connaissez le chemin? Frère Branham dit qu'il venait de la colonne de feu. Et il est retourné dans la colonne de feu. Maintenant, frère, à Kentucky, qu'est-ce qui est descendu? La colonne de feu, mais pourquoi continuez-vous à chercher le fils de Marie? Frère Branham dit que c'était la forme la plus basse que Dieu avait pris. C'était un sacrifice. Vous croyez que Dieu peut avoir descendu dans ce niveau de devenir une chair pour être encore crucifié? Non. Qu'on crache sur lui encore? Non. Alors pourquoi les gens attendent encore la forme la plus basse? Parce que là, il avait même le pied de ses disciples. Il est parti chez. Le monsieur là? Simon. Simon. Il a été négligé. Vous pensez qu'il va encore revenir dans ça? Qu'il met sa tête sur les tables? Non. Dans ce temps, il est né à Kentucky. Le frère Branham dit le signe du Messie. Comment est-ce que vous saurez quel Messie sur la terre? Il dit quand vous voyez l'alignement des trois étoiles. La magicienne l'a appelé le frère Branham. Il dit que tu as un signe qui t'accompagne. Il dit il y a trois étoiles qui sont sur toi. Il dit ces étoiles-là, se retrouvent que lorsque Jésus était né. Amen. Et dans ta naissance. Ça y est là, dans l'histoire de ma vie. Lisez l'histoire de ma vie, vous allez voir. Oh, les trois étoiles ne s'alignent jamais si ce n'est pas la naissance du Messie. Et quand il est né aujourd'hui, c'était l'alignement des trois étoiles. Le Messie était de nouveau sur la terre. Même le rouge-gorge avait compris. Le rouge-gorge est venu chanter. Amen. Amen. Il a compris que c'est le monsieur qui voulait sauver là-bas sur la croix, qui cherchait à tirer le clou avec la tache rouge là. Et le reculé de lui à Kentucky. Il a chanté. Parce que le Messie était sur la terre. Amen. Il ne s'agit pas du corps, il s'agit de l'homme. Et le message de Luc fait dit que qu'est-ce que nous cherchons? Un homme avec la barbe, il dit non. Un homme avec les robes, il dit non. Parce que chaque imposteur peut faire la même chose. Il dit, qu'est-ce que nous cherchons? Il dit, quand nous voyons un homme qui tourne le dos, qui essaie de penser, il dit, la promesse est accomplie. Amen. Or, si Jésus vient, Jésus était là-bas avec des robes, parce qu'à l'époque, là, c'était des robes. Si il revient aujourd'hui, il doit être en costume et en cravate. Amen. Amen. Faut que l'homme dit, si il vient comme ça, avec des cicatrices écrites, moi, je ne croirais pas. Amen. Si le frère Branham ne croyait pas, moi non plus. Amen. D'ailleurs, si vous voyez un homme comme ça, avec le visage de Hoffman, il faut le chasser. Oui. Ouais. Ça serait le poste là. J'ai vu une photo, le frère Emile avait pris la photo avec un Jésus, comme Hoffman. Il a écrit, Jésus est venu. Amen. Le frère Branham était le trône. Et le Christ s'est incarné en lui. Écoutez, une fois, Jésus grandait. Vous connaissez l'histoire. Il a regardé le visible.
Georges Carter était malade. Elle souffrait de la tuberculose. Pendant 9 ans, elle ne pouvait pas être mariée. Et la fille là était en train de prier dans sa chambre. Parce qu'elle avait lu le livre de Frère Branham, Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui pour toujours. Elle s'est dit, si je vois ces prophètes, moi je serai guéri. Elle a commencé à prier. Et comme elle était trop fatiguée, elle commençait à dire, Frère Branham, Frère Branham, Frère Branham. Et le frère Branham était là-bas de Jeffersonville. Elle était à Midtown. Très loin. Le frère Branham voyait comme une vision. Il voit une brebis coincée quelque part en train de l'appeler. Frère Branham, frère, elle n'a pas dit Jésus. Jésus. Permettez-moi, je répète ce mot. Amen. Elle dit, frère Branham, frère Branham, frère Branham. Le frère Branham a écouté la voix. Le frère Branham s'est réveillé, il dit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un dans les maisons. Le frère Branham ne connaissait même pas la ville qu'on appelait Militao. Il dit, est-ce que quelqu'un connaît cette ville-là? Tout le monde disait, non, on ne connaît pas, non, ça n'existe pas. Non! Parce que la brebis disait, frère Branham, Militao. Frère Branham, Militao. Et le frère Branham est parti jusque chez Georges Carter. Et arrivé là-bas, la mère de Georges Carter commençait à se moquer de frère Branham. Il dit, je ne veux pas que cette maison puisse améliorer ma fille. Ma fille, elle a assez souffert. Il ne faut pas lui donner de faux espoirs. Et il dit, frère Branham dit, elle m'appelait un vaurien. Et un jour, la dame est en train de prier, elle écoutait sa prière. Seigneur, fais ce que cette portion, elle ne puisse pas prier ma fille. Et quand elle ouvre les yeux comme ça, elle voit l'ombrage sur le lit, Jésus en train de venir. Après quelques temps, c'était devenu frère Branham. Il dit, frère, il dit, Seigneur, non, ne me dites pas que c'est cet homme-là. Et quand le frère Branham est venu avec sa Bible, quand il a prié pour la fille s'est relevée, la mère-là s'est évanouie. Le trop. Le frère Branham dit que quand vous priez, toutes vos prières-là, ça me dérange, moi. Je ne peux pas dormir. Frère, c'est le message. Ouais. Parce que le truc, c'est non. On ne dit pas que le frère Branham, c'est lui qui est Dieu. Mais il a été le siège de Dieu. Ouais. Si le frère Branham n'est pas aujourd'hui, où est le trône? Nous sommes le trône. Amen. Toutes les prières, hein, frère, toutes les prières que les gens font, Dieu les reçoit à partir de vous. Même les pentecôtistes, c'est quand ils prient, ils reçoivent leur prière. C'est vous qui les répondez. Amen. Et pourquoi vous vous inquiétez? Tandis que vous êtes vous le trône. Dieu est en vous. Vous dites amen. Amen. Dieu est en vous. Tout ce que vous avez besoin pour le ciel, vous allez recevoir. Parce que vous êtes devenu le siège social de Dieu. Amen. Le quartier général. Je vais lire le frère Branham. Non, mais Georges, Nathan. Qui c'est? Frère Branham dit que le messager du quartier général de Dieu. Frère Branham dit qu'il dit dans le régalé de visite. Vous qui priez, rappelez-vous, cela produit des effets sur moi. Voyez-vous, quand vous priez et que vous demandez ces choses, cela revient droit sur moi. Elle me garde éveillée pendant beaucoup d'heures la nuit. Et je me suis dit que peut-être c'est ce qui se passe alors. C'est ce qui s'est passé. Alors j'ai commencé à me poser des questions. Peu après, cela a commencé à s'approcher de moi. J'ai remarqué que cela était devenu du moulage blanc, comme un nuage, et je suis entré dans les nuages. Et alors, si j'ai entendu une voix comme celle d'un petit agneau Bella, et j'étais loin dans les ténèbres. Et j'allais ça et là. Et je me suis dit, eh bien, juste un instant, laissez-moi voir donc. C'était très clair. J'ai dit, je ne rêve donc pas. Je me rappelle que j'étais au lit en train de prier. Ceci est une vision. Et j'ai dit, où est le Seigneur? C'était dans les ténèbres. J'essayais de m'approcher de cela. Tirant les branches qui avaient des ronces et tout. J'ai de nouveau entendu. Je me suis emparé des ronces. Cela me piquait à la main. Il dit, ça faisait qu'il bêlait. Je passais pauvre petit animal. Il est perdu.
il est perdu dans les ténèbres. Et je me tirais d'affaire comme ça. Et je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas ce que signifie cette vision. Mais j'essayais d'atteindre cet agneau. Et quand je me suis approché de cela, c'était une voix humaine. Et cela criait mille temps, il criait très faiblement. Je me suis dit, oh là là, oh, mille temps. J'ai dit, je n'en avais jamais entendu parler. Eh bien, je vais essayer d'y aller. Et j'ai continué d'avancer. Paragraphe 18. Peu après, j'ai commencé à entendre quelqu'un crier. Comment? Frère Branham. Oh, frère Branham. Je suis sorti de cette vision. J'ai regardé tout autour. Je me suis demandé, où suis-je? J'étais debout dans une pièce, les mains levées, et j'ai entendu quelqu'un m'appeler à la porte. Alors, lorsque le matin s'est levé, je suis allé à mon église ce soir. Ce soir-là, et j'ai dit, j'ai eu une vision, j'ai entendu le nom de Milton. Milton. Y a-t-il quelqu'un qui sait où se trouve? Personne ne le savait. Le dimanche suivant, j'ai dit, il y a quelqu'un en difficulté dans une petite ville appelée Milton. Probablement que j'ai reçu une lettre de quelque part m'invitant à une ville. Je continue. Je saute ça. Je prends là la vision de la maman. Dans l'église, au même moment, sa mère qui criait, Georges pleurait et priait. Parce que sa mère me traitait comme elle me traitait. Et alors, elle est entrée dans la cuisine et s'est agenouillée pour prier. Elle a dit, oh Dieu, a-t-elle dit, ce vaurien de Branham qui parcourt cette contrée-ci. A-t-elle dit, il a complètement embrouillé mon enfant là. Elle dit, cette pauvre petite enfant est couchée là, est couchée là courante. Aujourd'hui, a-t-elle dit, elle ne fait que pleurer. Et ses petits yeux deviennent rouges. Elle a dit, il a complètement bouleversé avec beaucoup de philosophie. Elle a dit, oh Dieu, maudit cet homme, ou fait quelque chose comme ça. Et elle a continué, elle a dit, en priant, quand elle s'est mise à prier, elle a pensé que sa fille qui habitait à côté passait. Elle a vu une ombre sur le mur. Écoutez, et elle l'a laissé. Vous pouvez recevoir son propre témoignage sur, si vous lui écrivez. Elle a dit que c'était tout aussi clair que jamais. Elle a vu Jésus venir. Ok? Marcha à travers ce mur. Il dit, il a traversé cela, ne touchait pas à des soins. Il dit, elle a dit, qui vient? Elle a regardé, elle a dit qu'elle m'a vu venir. J'ai tenu sur mon cœur cette même Bible comme ça. Elle a dit qu'elle a vu mes cheveux clairsemés sur le fond. Elle a dit, eh bien, et ce prédicateur-là, alors elle a sauté. Elle a dit, oh Dieu, s'il te plaît, étais-je en transe ou qu'est-ce qui m'arrive? J'ai perdu la tête. Elle est entrée dans la chambre en courant. Elle a dit, Georges, tu sais, 33, pardon. Et vers ce moment, moi à la porte. La porte s'est fermée. Et me voici venu exactement tel qu'elle avait vu en vision. Qu'est-ce qu'elle avait vu cela en vision? Et j'allais là tenant une Bible sur mon cœur. Et deux hommes me suivaient. Oh là là, quand il n'y a pas un démon en enfer qui fait le pouvoir d'arrêter cela en ce moment. À ce moment-là, Dieu l'a déjà dit. La prière a déjà été exaucée. C'est vrai, quelque chose doit arriver. J'ai commencé à m'approcher. Frère Hall continuait à me dire, il disait, frère Branham, voudriez-vous que j'aille le premier? Je me disais, je ne disais rien. Et mes amis, en tant que votre frère ici, ce soir, j'avais senti quelque chose me quitter. On dirait que je pouvais me voir moi-même monter ces marches. Amen. Dieu était en lui. Christ était en lui. Pendant qu'il marchait, il a vu quelque chose le quitter. Parce que la fille a appelé Dieu. Quand il appelait Dieu, Dieu devait répondre à la prière de la fille à partir de son trône. Et ce trône-là, c'était un homme. Le frère dit qu'il pouvait se voir lui-même comment quitter. Et de là, le frère a prié pour la fille.
Et la mère là avait compris que Jésus, le Jésus qu'elle pensait être Jésus, c'était ce monsieur. Amen. Amen. Parce qu'elle ne savait pas que le trône avait déplacé. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de ce Jésus. Parce que dans la Bible, on dit qu'on devait détruire les serpents des reins. Pourquoi? Parce que quand Dieu a donné les serpents des reins au peuple, ils ont commencé à l'adorer. Et Dieu a dit détruisez les serpents des reins. Parce que Jésus est les serpents des reins. Dieu nous a donné les serpents des reins pour la guérison de nos âmes. Après avoir payé le prix, c'est fini. Il a été détruit. Il était sacrifice. Qu'est-ce qu'on fait des sacrifices? On brûle les sacrifices. On prend les cendres, on met dans l'eau qui devient l'eau de purification. C'est-à-dire que Jésus était devenu sacrifice, c'est fini. Mais ce qu'il contenait, c'est la chose la plus importante. Et quand il revient maintenant au temps de la fin, il change de forme. Il prend son trône qui est son prophète. Amen. Amen. Je suis en train de clôturer. Aujourd'hui, j'aurais dit que c'était la fin. Je vais sauter l'autre citation. On peut se donner la question, frère. Là. Avant d'aller là-bas, je ne vais pas mettre ça. Les femmes me disent ceci, la crise mystère est arrivée. Il dit ceci. Et pour savoir la certitude, là, en ce qui concerne tout l'enlèvement. Écoutez, maintenant, Luther en était une partie. Wesley en était une partie. Les prophètes en étaient une partie. Il dit, s'ils n'en sont pas une partie, pourquoi? Par la révélation, là, il formait le corps. Il dit, les pieds, les orteils, les bras, et ainsi de suite, jusqu'à la tête. Nous allons y venir dans quelques minutes. Il dit, voyez, qu'est-ce qui constitue l'enlèvement entier? Il dit, c'est le corps de la parole qui est Christ. Amen. Il dit, c'est ce qui constitue l'enlèvement entier. C'est-à-dire que l'enlèvement, c'était dans des âges. Il dit, Luther était une partie. Wesley était une partie. Tout ça, c'était dit par la révélation là, il formait le corps. Parce que la pyramide était l'église, c'était l'église, le corps de Christ qui s'est construit. Ça commençait depuis Paul, ça montait petit à petit. Et jusqu'à la fin, l'enlèvement était complet. Et parce que l'enlèvement, c'est une révélation. Il faut vraiment dire ceci, que je réponde. On dit, s'il vous plaît, expliquez le mystère de l'enlèvement de l'épouse. Ça, c'est une question qu'on pose aux frères. Parce que les femmes, madame, aujourd'hui, dit que nous allons disparaître, nous allons monter, ainsi de suite. Parfois, il dit que non, quand la personne meurt, elle va l'enlever, ainsi de suite. Mais ici, on pose la question. Il dit, s'il vous plaît, expliquez le mystère de l'enlèvement de l'épouse. Les femmes, madame, disent, c'est juste un changement. Vous voyez, il dit, non. Vous savez ce que je veux dire. Quand je parle comme ça, il dit, je ne veux pas être sacrilège, je ne veux pas dire le nôtre. Je ne veux pas dire cette église, je veux dire chaque croyant. Abraham, il attendait un fils promis, qui lui avait été promis. Pas vrai. Et l'église attend un fils promis, l'épouse. Pas vrai. L'épouse attend le fils promis. Il continue de ça 44. Avant que le fils promis ait pu venir à Sarah et à Abraham, leur corps devait être changé. Pas vrai. Elle était trop âgée pour avoir un bébé. Elle n'avait pas introduit la terre et c'est le sujet sur ça. Les femmes ont dit, c'est 247. Il dit, la première conscience est celle qui contrôle ce corps-ci par la vue, le goût, le toucher, l'odorat, le oui, et c'est ce qui nous cause quoi? Tous ces embêtements, nos raisonnements et tous les restes. Il dit, mais c'est le nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance, non pas la première conscience qui, elle, disparaîtra. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. C'est ça qui vit. Tous ceux qui le comprennent, dites Amen. Amen. Il ne s'agit pas de tout ce qui est à l'extérieur. Les femmes vont nous expliquer le mystère maintenant. Il dit, il ne s'agit pas de tout ce qui est à l'extérieur. La vie, le goût, le toucher, l'odorat, et tout. Il ne s'agit pas de ça. Ça, ça doit passer où? Par la mort. Il dit, et ça mourra, mais la partie qui est à l'intérieur de vous. Tout au fond, ici, à l'intérieur, c'est ça la personne qui ne peut pas mourir. Vous voyez? Et c'est ça la personne dans laquelle commence la nouvelle vie, qui provient de la nouvelle naissance. Et ça forme une autre personne à l'image de cette personne qui vous êtes. Autour de cette vie-là, vous êtes ici. Le frère va continuer. Il dit, alors potentiellement, c'est ici, à l'intérieur, et qu'est-ce que c'est la parole promise avant la fondation du monde? Ce qui entoure cela ne fait que refléter les négatifs dans la chair. Alors que cela va refléter les positifs, la parole. Vous voyez? Et
c'est la même chose pour l'enlèvement de l'épouse. Ce sera la même chose. La parole qui est en vous, le corps se matérialisera autour de cette parole. Et il se produira la même chose que dans le cas de Sarah. Alors que ce vieux corps qu'elle avait, ce premier corps, il fallait qu'il soit transformé pour pouvoir produire un fils. Vous saisissez, ce corps-là ne pouvait pas le faire. Ce corps-ci ne peut pas le faire. Alors il faudrait qu'il soit transformé de la même façon pour recevoir le fils. Comment cela se passera-t-il? Où va l'épouse? Voilà, c'est comme ça. Donc cela ne concerne pas l'extérieur. Parce que ça nous a causé des embêtements, ça doit passer par la mort. Maintenant, comment est-ce qu'on rachète le corps? J'ai fini par cette situation. Le frère Benoît, c'est quoi le Dieu? Écoutez un peu le titre. Écoutez un peu le titre. Quoi le Dieu? Vous allez croire le Dieu? Amen. Le frère Benoît, c'est ici. Mais maintenant, avant que cette chair ici, avant que la chair ne puisse être rendue parfaite, elle doit quoi? Mourir comme l'âme est morte. On ne peut pas racheter des corps si cela ne meurt pas. Parce que les 16 éléments doivent répartir là. C'est ce qu'on appelle de la rédemption. C'est-à-dire ramener à l'origine. C'est-à-dire, tu es poussière, tu retournes à la poussière. C'est ça la vraie rédemption. Si vous prenez le corps et que vous l'échangez, ce n'est pas ça la rédemption. La seule chose pour que ce corps puisse être rendu parfait, ça doit mourir. Amen. Je pense que je fais. Et cette dernière citation, c'est pour dire que ce livre n'est révélé que lorsque les âges et les âges de dénomination sont terminés. Et il n'y a plus de temps. Mais vous verrez, il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'Église et les âges de dénomination sont terminés. C'est-à-dire que quand nous avons déjà le livre de la rédemption, c'est-à-dire que les âges de l'Église ont déjà commencé. Et l'âge de l'Église prend fin dans l'enlèvement. Voilà le mystère de l'enlèvement. Je pense qu'aujourd'hui, j'irai clôturer. Donc, l'extérieur n'est pas concerné. Selon le frère Branham, c'est l'intérieur qui était concerné. Et l'enlèvement, frère Branham dit que l'enlèvement n'est qu'une révélation. Il dit, l'épouse attendra l'enlèvement, la révélation de l'enlèvement. C'est quoi la foi de l'enlèvement, pardon? C'est quoi la foi? La foi est une révélation. Or, la révélation, c'est-à-dire que l'épouse attendra la foi, la révélation de l'enlèvement. C'est-à-dire qu'elle connaîtra l'enlèvement, c'est quoi? Amen. Ce n'est pas ce qu'elle avait entendu. Voilà pourquoi le frère Branham dit que l'homme est éloigné de Dieu comme un lapin est éloigné des raquettes de neige. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.